Merci à tous, journalistes, partenaires et représentants des clubs de supporters, d'être présents pour cette conférence de presse qui va marquer l'arrivée du nouveau coach et le début d'une nouvelle ère. Après 10 années passées sous l'ère Stéphane Moulin, où on a vécu de très très bons moments, on peut en citer la montée en Ligue 1, on peut citer la finale de Coupe de France et bien d'autres moments. Une période où le travail collectif a payé, une période qui nous a permis de grandir. Nos chemins se sont séparés, mais ce qui est certain, c'est que l'empreinte à la fois individuelle et collective est là et restera là. Avec Philippe Caillot et Sébastien Larcier, nous avons fixé des objectifs sur les 4 prochaines années et nous avons souhaité confier cette mission et cette feuille de route à Gérald Batiste, qui possède toutes les qualités requises pour mener à bien le projet, continuer à faire progresser l'équipe et à faire grandir le club, tel qu'on l'a fait dans le passé. D'abord des qualités en tant que technicien, côtoyer le haut niveau à la fois sur le banc et sur le terrain. Je ne vais pas remettre ou parler un petit peu de son expérience, que ce soit en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Champions League, avec les différents clubs, autant que joueur, autant qu'entraîneur, donc s'il a l'occasion de s'exprimer là-dessus. Mais une carrière riche sur laquelle on souhaite profiter et donner une impulsion nouvelle au club. Les qualités de Gérald collent avec celles du club. Travailleur acharné, rigoureux, et qui aime faire progresser les gens autour de lui. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Gérald. Son arrivée va s'inscrire dans la continuité du projet du club, tout en apportant cette énergie nouvelle et de nouvelles idées pour continuer à grandir. Donc, bienvenue, Gérald. Merci, Président. Merci, Président. Je suis très heureux de rejoindre le SCO, d'être ici devant vous, très fier. Et j'ai en même temps un sentiment de responsabilité de succéder à Stéphane Moulin, qui a fait de belles choses. C'est également une fierté et une grosse responsabilité. Donc je vais, comme vient de le dire le président, mettre beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour œuvrer, travailler et mener à bien le projet sportif du SCO dans les 4 années à venir. Et ça passe par, évidemment, faire progresser les joueurs individuellement, diriger l'équipe de belle manière, de manière à ce qu'elle soit performante et qu'on atteigne les objectifs et l'objectif sur les 4 années. Précisément, cet objectif, ce serait quoi ? On repart sur un nouveau cycle, c'est-à-dire que il faut se baser sur ce qui a été fait et bien fait, travailler dans la continuité et amener des idées nouvelles, amener un élan, amener une énergie positive pour lancer ce nouveau cycle et prendre un nouvel élan puisqu'on est sur un nouveau cycle de 4 ans. Ah non, pas du tout. Il y a une forme de continuité. Je m'inscris dans la continuité, non pas dans la révolution, dans la rupture, c'est dans la continuité. Lorsqu'il y a des choses qui sont intéressantes, je trouve ça dommage de changer. Donc là, il y a beaucoup de choses intéressantes. Au contraire, je compte m'appuyer sur les points forts qui ont été mis en place, que ce soit au niveau de l'effectif, au niveau des bases dans le jeu, et amener des touches d'amélioration là où je le juge nécessaire. Et amener un élan nouveau, c'est dans la construction du jeu, c'est dans l'animation offensive où j'ai envie d'amener encore davantage parce que je trouve qu'il y a un bel équilibre au niveau défensif. Ça, c'est, je rentre déjà dans le schéma de jeu puisque ça nous est propre aux techniciens. Mais c'est pour ça que je vous parle d'un travail dans la continuité.
si l'équipe n'est pas équilibrée, il faut reconstruire. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais m'appuyer sur les choses qui vont bien, d'après moi. Depuis lundi, je regarde beaucoup de matchs. J'essaie d'en regarder un maximum pour justement analyser, voir tout ce qui va et voir tout ce qui ne va pas, et pour amener ensuite des améliorations, prévoir des axes de travail par ligne, par animation, offensive, défensive, les phases de transition, également individuellement. Je suis dans l'analyse encore, mais j'essaie de me rapprocher de l'efficacité, c'est-à-dire de bien cibler ce qui doit être amélioré et de bien cibler également ce qui doit être renforcé, c'est-à-dire ce qui va bien et qu'il faudra, sur lesquels il faudra s'appuyer pour être fort. Bonjour Gérard. Bonjour. Parce que lorsqu'on est numéro 2, quelque part, on se prépare à devenir numéro 1. Pour moi, il n'y a pas 50 manières de devenir numéro 1. C'est où vous passez par le bas et vous montez les échelons. Ou vous êtes numéro 2. Et là, j'étais numéro 2 très haut. Je parle de niveau Champions League, niveau qualification de Champions League tous les ans par le championnat de la Ligue 1, mais également sortir des poules, aller le plus loin possible. Et c'était pour moi ma route à prendre pour me remplir, pour créer mon fonctionnement, ma méthode. Et lorsque je me sens prêt avec cette méthode, de me lancer. Alors c'est bien de se sentir prêt. Après, il faut avoir le projet, avoir la possibilité de se lancer. Donc c'est ce qui s'est passé, on s'est rencontrés, le projet du SCO, le projet de M. Sabane m'a plu. Je pense que mon projet, ma manière de m'intégrer dans ce projet, d'amener de la nouveauté, d'amener des idées nouvelles, a plu au SCO, sinon je pense que je ne serais pas devant vous. Et ça, les deux ont été en phase, ont été alignés, c'est-à-dire qu'il faut à la fois se sentir prêt, c'est presque un moment où on ne sent plus... Bon, à être numéro 2, mais on a envie de passer à autre chose. Et puis, il faut avoir les planètes qui s'alignent par rapport au contrat, par rapport aux besoins et par rapport au projet. Je ne vais pas vous cacher que pendant ma période d'adjoint à l'Olympique Lyonnais, j'ai eu des possibilités d'être numéro 1. Ça m'a perturbé, ça m'a amené à réfléchir. J'en ai parfois discuté avec Bruno, enfin avec mes coachs, avec même le président Jean-Michel Aulas. Et... il manquait quelque chose pour être aligné et pour me lancer. Et en même temps, j'étais aussi très bien à l'Olympique Lyonnais, mais il manquait quelque chose pour me lancer. Et là, cette fois-ci, le projet m'a emmené. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis fier d'être ici. J'ai beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'ai hâte de revoir mes joueurs, de les découvrir. Donc, j'ai déjà hâte d'être à la reprise. J'ai hâte de jouer le premier match, de rentrer sur le stade, de ressentir la pelouse, On est venu jouer ici en tant qu'adversaire. Il y a une ferveur, il y a quelque chose. Donc j'ai hâte également de rencontrer les supporters, même si je sais qu'il y a des responsables ce soir, ça fait plaisir. Après, on est tous en période un peu difficile par rapport au Covid, où on joue dans des stades vides. J'ai hâte donc de pouvoir jouer les matchs et de pouvoir revoir notre stade avec nos supporters pour vibrer ensemble, pour les faire vibrer et pour amener ce petit plus qui manque dans les matchs actuels. Bonjour. Bonjour. Vous parlez d'un projet pour 4 ans. Ça veut dire que vous avez signé un contrat de 4 ans ou est-ce que c'est ça Oui, j'ai signé un contrat de 4 ans. D'accord. Et on vous a une question concernant le staff. Oui. Est-ce qu'il est entièrement constitué? Est-ce que vous pouvez lui donner des noms ou est-ce que c'est pas encore totalement... Je vais vous donner des noms. Il est en phase de construction, donc on y travaille, je pourrais dire avec acharnement, mais il faut savoir prendre... le temps qu'il faut pour prendre les bonnes personnes. Donc c'est Alexandre Dujeu qui est mon adjoint. Et c'est Alan Béroux qui sera le préparateur physique. On travaille, on est en phase de signature pour l'entraîneur des gardiens de but et également pour un analyse vidéo. Donc il y a un apport extérieur et une promotion interne pour Alan. Bonjour, Thomas. Bonjour. Merci. Stéphane Moulin, en partant, a expliqué que le club avait
élan, c'est pour ça qu'il y a un nouvel élan, c'est pour ça qu'il y a un nouveau cycle, puisque on doit arriver avec des idées nouvelles. C'est pour ça que je vous parle de continuité, parce que quand vous parlez de plafond, vous parlez d'un niveau qui était déjà très intéressant, ce qui m'amène dans l'analyse à me dire, on ne va pas tout casser, au contraire, il faut prendre tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a d'intéressant. Et à partir de là, chaque coach a sa personnalité, ses principes, ses méthodes de travail, son animation personnelle, son management personnel, et donc avec de la nouveauté, avec une énergie nouvelle, avec une énergie positive, on doit aller vers le progrès. Oui. Ce que vous voulez en club dans 4 ans, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de progresser année par année. Donc la première année, c'est l'année, pour moi, c'est une année de transition. Il faut prendre les choses en main. Il faudra que moi je